Bonjour, moi je vais vous parler des sites web des centres de simulation en France. Je suis ici pour vous présenter ce travail en tant qu'ingénieur pédagogique au centre de simulation santé de Brest pour l'Université de Bretagne occidentale et en même temps comme coordinatrice nationale d'un projet de recherche ANR qui s'appelle IDEFI REMIS. Fait partie du programme Initiative d'excellence en formation innovante. L'objectif de ce projet est de concevoir et de promouvoir des formations innovantes dans le domaine de la santé. Une étude de site des centres de simulation en santé entre bien dans ce terrain très large de la formation en santé. Comment on peut améliorer les formations en santé? Et comment on présente l'information sur ces formations-là. Alors, déjà pour préciser dès le départ, mon étude a commencé le moment où j'ai vu l'appel à communication. Donc c'était un détail important. À la fin de cette étude, on attend de moi des propositions concrètes pour l'amélioration du site web du Centre de simulation en santé. Donc, je viens plus avec des questions, je viens avec l'idée d'apprendre des choses de vous. Et j'en ai déjà appris pas mal de choses. Alors, quelques mots sur la simulation en santé. Il s'agit d'un outil pédagogique à part entière, bien implanté un peu partout dans le monde, plus aux États-Unis quand même, avec un développement récent en Europe. Et en France, la simulation est une activité vraiment émergente, mais qui intéresse de plus en plus le monde de la santé. Elle est promue et soutenue par la Haute Autorité de Santé, un organisme qui gère les normes et les pratiques autour de la simulation. Et justement, après la Haute Autorité de Santé, la simulation consiste à utiliser un matériel spécifique dans le but d'enseigner, d'apprendre, de s'entraîner, tout ça bien sûr par la pratique, dans des situations au plus près de la réalité professionnelle et de la vraie vie. Il s'agit de créer des expériences dirigées dans un but éducatif et qui visent l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La simulation en santé s'inscrit dans une démarche pédagogique réflexive, éthique, guidée par la devise « Plus jamais la première fois sur un patient ». Je vais vous montrer une petite vidéo. Est-ce que il faut que je branche de ça? Je vais tenter. Une vidéo qui va mieux résumer en fait ce que c'est la simulation. Descendre un peu le micro. Ouais, juste descendre le micro. Tu essayeras. Voilà, comme ça. À l'ordinateur, monter le son. Ouais. Tu es le bon son. Donc, et on devait s'occuper de tes patients. Beaucoup de connaissances, pas beaucoup de compétences. Sois pas trop sûr de toi. Tu commences. Tu connais rien pour l'instant. Quand tu sais pas, tu te mens. Aujourd'hui, cela a bien changé et la simulation est entrée dans nos programmes. Le principe fondateur de la simulation est « Plus jamais un premier geste sur un patient ». This is Sim 1, developed for the training of anesthesiologists. It's a machine, a breathing, functioning, computerized patient. Des savoirs, des apprentissages théoriques, le travail personnel sont toujours indispensables. Mais avant d'aller voir directement les patients, nous pouvons nous entraîner en simulation, sur des mannequins en plastique ou valider nos apprentissages sur nos collègues. Les outils utilisés au début sont plutôt simples, et petit à petit, nous nous rapprochons du vrai soin. Apprendre à ausculter ensemble un mannequin qui nous présente au bon endroit les sons que nous allons devoir apprendre à reconnaître. Apprendre la relation médecin-malade avec des collègues acteurs, utiliser l'échographie pour repositionner les organes au bon endroit dans le corps, et faire devenir réalité l'anatomie enseignée sur des dessins de papier, tout en étant supervisé par des seniors chevronnés. Nous allons même utiliser des jeux vidéo sérieux pour apprendre à interroger et inspecter les patients. Comment vous sentez-vous, monsieur? Pas très bien. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à respirer. L'étape ultime
et quand même la mise en œuvre de toutes ces connaissances dans des séances de simulation complexes. Dans une salle reconstituant un lieu de soins avec des soignants et un mannequin ultra sophistiqué qui permet de reproduire les différents problèmes. En fait, il est piloté à distance d'une régie, comme à la télé. J'étais obligée de l'attacher parce qu'il s'agit de bon, monsieur le masque. Ça va ? Il est saturé, il est à 21% des FiO2, donc monsieur Jaouen. Nos études ont bien changé. Une fois toutes ces étapes passées, nous allons nous occuper des vrais malades. J'ai hâte d'y être. Bon, voilà. Pour avoir une idée un peu plus précise sur ce que c'est la simulation. Bon, pour revenir au centre de l'action, en santé, rapidement, il s'agit de centres de formation avant tout, des centres de formation dont l'activité est centrée sur la formation initiale des étudiants en médecine, maïeutique, kinésithérapie, etc. Des étudiants qu'ils accueillent tout le long de leur cursus universitaire. Les centres de formation proposent également des formations spécifiques destinées aux professionnels de santé. Donc on fait beaucoup de formations continues, donc aux médecins, infirmiers et soignants. En tant qu'organisation, les centres de simulation travaillent en lien étroit avec les centres hospitaliers et avec les universités et bénéficient du financement de l'État, de la région. Comme par exemple le projet IDEFI REMIS que je coordonne apporte beaucoup de soutien financier au CESIM. En tant qu'institution de recherche, les centres de simulation sont des structures qui apportent de l'expertise dans le domaine de la pédagogie, pédagogie active et de la communication médicale. Enfin, en tant que plateforme technologique, on parle d'endroits où on retrouve beaucoup de matériel très spécifique pour la pneumologie, chirurgie, des endroits où, qui sont à la pointe du développement technologique et de l'évaluation de, ce, de ces technologies. Je vais parler donc du centre des centres de simulation en tant qu'organisation, c'est le sujet de la journée. J'ai essayé de faire une petite typologie des centres de simulation en santé de ce point de vue. La première catégorie, c'est celle des organisations hybrides, comme je disais tout à l'heure, celles qui dépendent des centres universitaires et des centres hospitaliers et des universités ou d'autres instances. Ces organisations concernent plutôt le secteur public et la forme de gouvernance est souvent multiple. La plus commune est le groupement d'intérêt scientifique l'université et l'hôpital, le plus souvent, ces centres dépendent, sont sous l'autorité de l'université et de l'hôpital, mais bénéficient en même temps de leur support matériel logistique, scientifique. Pour la stratégie de communication, celle-ci, elle est plutôt descendante, donc voire imposée, voire dirigée. Parce que les centres de simulation ne sont pas moteurs à l'initiative de leur stratégie de communication, ils continuent les consignes de l'instance qui supérieure, pour dire ça, j'aime pas le mot. Dans ce cas-là, on a plusieurs cas de figure. Le centre de simulation dispose d'une page ou de plusieurs pages rattachées à l'université, à l'hôpital, ou parfois d'un site entier. La deuxième typologie concerne les organisations autonomes, c'est-à-dire qui sont complètement indépendantes. Il s'agit ici des centres privés, mais il y a de plus en plus de centres qui s'autonomisent dans le secteur public. Et dans ce cas-là, la gouvernance et la stratégie de communication leur est propre. Et dans ce cas-là, bien sûr, on parle de sites internet spécifiques aux centres de simulation. J'ai analysé les sites, uniquement les sites des organisations. Je n'ai pas du tout regardé les pages associées aux sites des universités ou des hôpitaux. Concernant le corpus, j'ai analysé 16 sites web.
Étant donné qu'aujourd'hui, enfin en 2012, la Haute Autorité de Santé avait identifié quelques 35 centres de simulation en France. Donc disons que j'ai regardé la moitié. Mais bon, ça va très vite et ça change très vite. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que 35 centres de simulation. Alors, quelques spécificités des sites de centres de simulation. Pour commencer une partie un peu plus descriptive, il s'agit d'objets socio-techniques récents, mais qui présentent déjà une morphologie relativement stable et des constantes au niveau informationnel. Le canon de contenu et de service est déjà assez stabilisé. La norme est en construction, avec une tendance rapide à l'homogénéisation des stratégies et des contenus, dû premièrement à un consensus de terrain concernant la pratique de la simulation, parce qu'il est situé dans le même contexte social, économique et institutionnel. Et deuxièmement, cette homogénéisation est due à une culture qui sous-entend l'identité globale du corpus, basée sur un consensus d'interprétation de la simulation. Ça tourne toujours autour de la gestion des risques, la sécurité des soins, de la pédagogie active, etc. Une telle standardisation qui est en train de s'opérer serait, selon Sébastien Rouquet, une caractéristique des sites concurrents, car je cite, « Le web encourage les sites à s'emprunter mutuellement chaque nouveau procédé efficace. » Une parenthèse ici, le site du Césime est déjà la deuxième refonte, et ils ont largement copié, ils se sont largement inspirés d'un autre site privé qu'ils trouvaient très bien. Donc, on parle ici, selon l'expression de Nicole Pignet, de complexe de genres différents, parce qu'on parle d'une imbrication de traits appartenant à des catégories différentes. On a en même temps un site institutionnel, un site d'entreprise, de marque promotionnelle, d'actualité. On trouve beaucoup de choses qui demandent des stratégies de lecture appropriées, parce que les objectifs sont pluriels. L'information, la communication, la promotion, voire la vente. Bien sûr, certains centres font appel aux réseaux sociaux. Aussi, on verra un peu en marge de leur communication. Donc, les sites web restent les outils privilégiés de la communication. Ce que j'ai commencé à faire, c'est une analyse en partant de la conception du site comme lieu de prestation et de service, lieu d'interaction avec les utilisateurs, une entité sémiotique, une unité d'information, un objet porteur de signification. Ce que j'ai regardé à cette première étape de mon analyse, c'est la structuration et la présentation de l'information. Qu'est-ce qu'on donne comme contenu sur ces sites-là et qu'est-ce qu'on veut transmettre, quelle stratégie on met en place pour communiquer. J'ai fait tout cela en partant d'un regard global de la page d'accueil et des rubriques investies, avec un focus sur certaines rubriques, soit les plus récurrentes, soit les plus insolites. À la fin, je vais aborder la question de la prise en compte des usagers, avec toutes les questions qui ont été posées hier soir et auxquelles je suis arrivée également, quel profil, quelle pratique, pour quelles compétences lectorielles. Donc, je reviens aux quatre points de vue, aux quatre items que je vous ai présentés tout au début. En fait, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de proposer de ces quatre points de vue. Il s'agit de points de vue qui organisent l'acquisition du regard, un regard qui découvre, sélectionne et détache de leur fond un ensemble d'éléments susceptibles de préparer une interprétation attendue par une communauté de pratiques, de valeurs, d'idées. Il s'agit de points de vue sur l'objet approché, ici le site de simulation, qui propose des lectures plurielles, par topic, mais pas complètement indépendantes, mais différentes et originales. Cette méthode de regard, j'ai envie de l'approcher à la matrice de la matrice ontophanique de Stéphane Vial, qui structure et conditionne notre regard, notre façon de lire.
On est tous d'accord, la lecture est une décision du regard qui émane de la culture. L'acte de lire n'est pas spontané, subjectif, mais il est culturellement influencé, conditionné et formé. Certainement, ces angles de lecture relèvent toujours d'une norme de lecture instaurée dans la tradition du domaine. C'est ce que Peter Stockinger appelle des représentations culturelles du domaine de référence. Et ici, le domaine de référence, c'est le centre de simulation. Alors, maintenant, c'est une partie très descriptive. Je vais prendre chaque item des quatre que je vous ai donné et on va voir les représentations, en fait, ce que ces représentations imposent en termes de conception et de contenu. Donc, la première représentation, celle du centre de simulation en tant que centre de formation. On parle ici de. On retrouve l'image d'un prestataire de service. Le rôle est, du contenu donné est informatif, incitatif. La communication porte sur l'offre de formation et vise la valorisation du produit formation, quantitativement, mais surtout qualitativement. En général, la description se fait de formation, se fait par type, par discipline, par diplôme délivré, par catalogue, par spécialité, par cursus, formation sur mesure, formation par public. On a de tout. La catégorisation est très très bien travaillée sur tous les sites. Et à la fin, on arrive toujours à une plaquette de formation et un formulaire d'inscription. La catégorisation est donc utilisée comme argument de vente. Elle a une fonction d'incitation, car l'internaute y trouve des renseignements sur les savoirs et les savoir-faire à acquérir. Il est incité donc à s'inscrire, à consommer. C'est pour ça qu'on parle ici d'une stratégie de commerciale business to consumer. Elle est destinée donc à l'utilisateur, au consommateur final. Une autre représentation du centre de simulation en tant que centre de formation est celle d'un espace physique. Ça, c'est assez commun. On cherche à valoriser le centre par la mise en avant des visites réelles. Cette photo est extraite du site du CESIM où on fait des simulations civilo-militaires. Donc, il y a des vrais militaires qui viennent s'entraîner, pratiquer dans notre centre et après ils partent. Vraiment au Mali, en Afghanistan, pour faire la guerre. Mais ce qu'on voit dans cette image, c'est toute une commission qui vient visiter le centre. On se balade dans le centre comme dans un espace de musée, d'exposition. Et donc, pour le grand public, c'est assez impressionnant quand on voit ça. Ça donne du poids au centre. Et voilà, ils font des choses très, très intéressantes. Il y a aussi la représentation en tant qu'espace virtuel. Pareil, c'est assez commun. On trouve ça pratiquement sur tous les sites de telles représentations, des visites virtuelles sur la topographie des espaces du centre. Ces visites virtuelles, elles sont plus ou moins abouties, plus ou moins poussées, et elles montrent des limites concernant la pertinence et l'intérêt pour une communication ciblée. C'est pour ça qu'on parle ici d'une communication grand public. Pour représenter le centre de formation comme acteur social, les sites communiquent sur le comportement éthique du centre. On présente ici la démarche, l'engagement qualité, les missions, les valeurs. On cherche à renforcer sa légitimité sociale et sa crédibilité. On parlera ici de communication sociale qui a comme fonction d'informer, mais également de persuader, de convaincre afin d'influencer un comportement, d'éduquer pour apporter des connaissances et des valeurs sociales et bien sûr pour provoquer des émotions, pour séduire, plaire, mais toujours dans le sens avec l'objectif de convaincre. Pour aller plus loin dans la communication sociale, certains centres de formation intègrent ce type de discours dans le règlement intérieur et soulignent par cela, d'un côté, les valeurs humaines et citoyennes, de l'autre côté, l'utilité publique du centre et sa crédibilité. Je passe au deuxième item. La représentation du centre de simulation comme organisation. On a déjà vu au début, c'est une organisation qui travaille en lien étroit avec un écosystème institutionnel et économique et
systématiquement, mais sans aucune exception, sur tous les sites, on trouve des listes de partenaires, de collaborateurs, de mécènes, de soutiens. C'est une façon de se valoriser en montrant, par le fait de montrer toutes les relations, les partenariats qu'on a avec les autres. Destiné à améliorer l'image de l'entreprise, cette communication vise essentiellement, encore une fois, le grand public, mais peut s'adresser à des cibles particulières pour une communication business to business. Elle peut s'intégrer également dans une démarche de lobbying auprès de pouvoirs publics et des décideurs. Souvent derrière ces logos qu'on voit ici, on retrouve des liens vers des sites, vers des pages externes, dont l'objectif est de densifier l'information, de donner une image d'ouverture, de mettre les liens, de montrer les liens avec l'environnement et de mettre en valeur la potentialité de l'organisation. Voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on est, on est ouvert vers les autres. La communication événementielle, j'ai choisi de la mettre ici parce que c'est très récurrent. Je pense qu'il n'y a pas de site où on ne trouve pas ça. Il s'agit d'une action de communication ponctuelle destinée à marquer les esprits dans un but précis. Il s'agit de faits provoqués que le site propose, met en scène et raconte afin de séduire les internautes et de les rendre acteurs dans un moment important de la vie du centre. La communication d'identification, c'est lorsque l'internaute est intégré dans l'histoire de l'organisation, l'objectif étant de susciter un comportement positif de sa part par une promesse d'expérience professionnelle viable. L'image voulue est déposée en ligne par l'organisation au travers du site et donc celle de la confiance, de la crédibilité, de la relation. Le site projette l'image du vouloir-être de l'organisation. Il joue autant sur l'identification visuelle que symbolique. Il crée ainsi un sentiment d'appartenance. Le troisième item, le centre de simulation en tant qu'institution de recherche. Le site web accorde généralement une place importante à l'image du centre comme patrimoine scientifique, comme référence scientifique. La promotion de cette image... D'accord. Bon, je vais passer vite sur les autres. Va dans le sens d'une recherche de légitimité dans la sphère scientifique. Donc, communication scientifique, on a beaucoup de vidéos de conférences, beaucoup d'interventions, mais on peut aller jusqu'à des liens vers des articles, des publications, des communications ou des articles en entier. Plateforme technologique, l'image que vous voyez ici, sur la page d'accueil, on a un onglet qui s'appelle mannequin. Donc, il donne autant d'importance au mannequin qu'on a plein d'images avec beaucoup de textes où on présente le matériel. Donc, on cherche à mettre ça en valeur. Donc, voilà, on communique beaucoup autour de l'innovation. Bon, pour faire une petite synthèse et pour me diriger vers la conclusion, on parle ici de formes de présentation hétérogènes. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qui oscille en fait entre des formes de bricolage avec les moyens à bord, une transposition numérique du traditionnel. On a la plaquette, la brochure papier qu'on transpose sur le numérique, mais aussi du professionnalisme. Là, c'est surtout dans le cadre des centres privés qui investissent beaucoup dans la communication sur les sites. On a vu les stratégies de communication, mais là, la question, c'est qui est derrière ? Au CESIM, ce sont les techniciens de simulation qui font la communication. C'est eux qui s'occupent du site. Donc, voilà. Est-ce que c'est une stratégie ? Et pourtant, on fait partie d'un groupement d'intérêts scientifiques.
On a l'hôpital, on a l'université, mais c'est nous qui gérons le quotidien, la communication sur le site. Généralement, le discours tourne autour de la présentation du soi, la diffusion d'une image, la construction d'une réputation. Si on regarde sur Internet, tous les centres de simulation se présentent comme le centre européen de la simulation en France. On en a beaucoup, on ne sait pas lequel c'est vraiment le plus... j'ai regardé beaucoup la structuration et la présentation de l'information. La page d'accueil rationalise en effet les références culturelles. Elle se présente comme un guide de lecture dont la composition est déterminée par l'intention de médiation du concepteur. Encore une fois, le concepteur, c'est qui et qu'est-ce qu'il veut transmettre? Elle se présente, la page d'accueil, comme une matrice à plusieurs entrées, parce que c'est un contexte qu'on peut exploiter différemment, on peut comprendre, on peut lire et interpréter des choses de manière différente. Bon, je vais un peu vite. La question des publics. Une identification des publics est opérée systématiquement, voire une hiérarchisation des cibles. Le public, on a le public de la formation initiale, de la formation continue, les partenaires, les fournisseurs, les autres parties prenantes. Lorsque ce genre de profilage existe, le public est réduit à un état présent, soit de conscience dans un domaine, soit à un statut, soit à une fonction, soit à un autre trait caractéristique qui sera choisi. Ce profilage rigidifie toutes les connotations de l'image attribuée au public à un moment particulier, mais permet l'hiérarchisation des cibles et donc ça répond à des objectifs de vente. Derrière le profilage que vous voyez ici, on arrive toujours à un catalogue de formation et toujours à un bulletin d'inscription. Bien sûr, il y a toute la partie descriptive, présentation au grand public qui propose un discours généraliste et qui essaye d'englober toutes les variations en termes de réception. Mais justement, c'est là le problème. Le public est envisagé comme une masse homogène. C'est exactement ce qu'on disait hier soir. En masse homogène, située au même niveau de compétences en matière de capacité lectorielle et interprétative. Une structuration de l'information, on a vu, par point de vue, elle existe, mais par niveau de difficulté, on n'en trouve pas. Niveau de difficulté, je veux dire, on n'est pas tous égaux, même si on est des stagiaires de la formation continue, on n'a pas du tout la même expérience, la même sensibilité, on n'approche pas la formation de la même manière. Donc, à part les points de vue, concernant la finesse du contenu, il n'y a pratiquement rien. Le profil apparaît comme fixe, une vision standardisée des gens qui limite en fait la communication. On parle ici d'une médiation ressource et non pas sens. Donc, on ne cherche pas à faire comprendre les gens. Je suis partie de l'idée que, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à voir sur ces sites-là des ressources pédagogiques. Je voulais apprendre des choses. Et là, c'est pour ça que je voulais être accompagnée, portée pour apprendre des choses. Strictement rien. Et je ne sais pas comment faire parce que, comme j'ai dit au début, on attend de moi des propositions pour l'amélioration du site. J'ai envie d'aller vers cette partie éducative. Et donc, est-il possible d'affranchir cette image du public homogène? Est-il possible d'apprendre à faire en regardant les sites de simulation? Est-ce que la solution, c'est l'ouverture vers d'autres plateformes médiatiques? Est-ce qu'il faut aller vers l'interactivité, vers la personnalisation, vers plus de contenu? Voilà. Merci.